Salut les amis, c'est Toon75 et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Minecraft, mais pas Minecraft normal, Minecraft avec des mods, vous voyez en bas il y a une petite icône mode, donc une aventure Minecraft modée qu'on va commencer au plus vite possible. Et voilà, donc le modpack c'est il s'appelle Note 1.7.10 modpack, d'accord. C'est un pack de mods qui a été créé pour compléter un autre, mais bon c'est pas grave, il est très bien. Mais en multijoueur il est un peu compliqué parce qu'il est assez lourd. Mais en solo ça va, donc maintenant on va créer directement la version. Alors on va l'appeler Aventure Modé. Allez, au YouTube, allez. Donc Game Mode Survival, c'est bien ça. On autorise les commandes où il y a un problème, hein, on regarde. Je préfère le mode normal, on met le bonus chest, alors on se met tout pour nous. Voilà les amis, donc on est arrivé sur le monte, je sais pas ce que c'est que ça. Hop, voilà, c'est mieux. Et donc du coup, voilà, donc c'est un monde qui ressemble à ça. Ça lag un petit peu, je suis d'accord avec vous. Vous savez quoi, je vais baisser un petit peu ma distance. Hop, voilà. C'est mieux. Donc on arrive dans un biome champignon, avec des genres d'oiseaux. D'ailleurs c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Vous savez quoi, je vais baisser le son. Hop, voilà. Ok, donc on a notre coffre. D'accord. Le coffre qu'on avait demandé avec des trucs dedans. Bon, ça, normalement, vous en souciez pas trop. Les gens, ces choses-là, je sais pas trop à quoi ça sert. Et le... Oula. Bon, ça, c'est normal. Et ça, c'est pour faire des fossiles. Bon, ça, c'est, je vous expliquerai plus tard. Alors, donc... Premièrement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un village qui a l'air occupé. Donc ça lag un petit peu au départ, c'est normal parce que la map est en train de se générer. Oh, c'est un Sims lui. La map est en train de se générer. Vous voyez, il me demande des trucs, c'est assez marrant. Déjà, je vais utiliser ça. Donc ça. Wow. Alors ça, c'est pour se définir, enfin pour définir ton personnage dans ce modpack. Donc male ou female, c'est normal. Enfin, homme ou femme, bah, je suis un homme. Avec qui, quelle est ta préférence sexuelle, c'est les femmes. Quel est ton nom, je vais garder 75. Et on vient mettre none of this parce que sinon les autres choix c'était être dans un village ou un truc comme ça. Alors, est-ce que ici je vois des choses? Non, il n'y a rien à l'intérieur. On va aller directement à ce qui nous intéresse. Donc, là où il y a un peu de stuff, d'accord. Wouah, oh là là. Allez. Voilà, donc maintenant on va pouvoir y aller, clac 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 clac. On va prendre tout ce qui est dedans, du fer, des minerais spéciaux, des genres de petits trucs. Vous savez quoi, c'est toujours cette prime, on dirait. Ici. Donc, ah oui, je tiens à préciser, ce modpack est en 1.7.10, d'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous irez pas certains blocs ou choses dans le genre, c'est normal, parce qu'il est pas dans la même version que le reste. Bah vous savez quoi, je fais un petit tour du village et je vous revois quand j'ai tout terminé. Allez, à tout de suite.
Ouais les amis, et donc là donc je finis de faire l'inventaire de tout le village, on a pas mal de choses, hein. Tout ça, plus tout ça, donc ça fait pas mal de stuff. Pour l'instant je vais le laisser ici et je vais partir à l'exploration pour essayer de trouver un autre endroit. Et puis vous voyez j'ai mis un waypoint, ça veut dire un genre de voie où on peut se téléporter quand on veut pour revenir. Et donc, essayer d'aller à l'aventure, voir un peu où on pourrait mettre d'autres maisons, machin, tout ça, et faire des choses comme ça. Et voilà, donc on va essayer de trouver un endroit sympa. Tiens, un arbre géant. Donc, moi j'aimerais que ce soit un maximum loin de ces genres biomes champignons, parce que c'est assez moche. Et alors qu'il n'y en ait pas près de nous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est un genre de petit marécage bizarre avec de la... Avec des... Comment ça s'appelle? De l'argile durcie. Oh tiens, il y a des oiseaux. Ah, c'est mignon. Ah oui, j'ai oublié que les mods ça rajoutait énormément de énormément de d'animaux, de choses comme ça. Ici on a l'air d'avoir un totem en obsidienne. Bon, je pense que je ne peux pas le miner, c'est logique, j'ai une pioche en pierre. Ici on voit aussi beaucoup de structures qui sont rajoutées par hein, les mods, je sais pas trop ce que c'est. Oh, c'est là un squelette. Ouais, ça doit être une carcasse de dinosaure ou quelque chose comme ça. Il y a plein de fleurs, il y a plein de ruches, de choses comme ça. C'est vrai que c'est très mignon quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Du rose squid. Ah, oui, ça on peut le manger, il me semble. Mais là je suis en peaceful parce que bon, j'ai pas envie d'avoir des monstres dès la première nuit. Tiens, bébé. Oh, fais ça. Alors, hop. Encore, disons que des arbres géants, il y en a partout, c'est incroyable. On va essayer de trouver un vrai lieu où se poser. Ah, bébé, c'est génial ça. On va essayer de trouver un vrai lieu pour se poser, puis j'irai faire une petite demi-heure de minage ou quelque chose comme ça, et puis on verra après si j'arrive à trouver pas mal de choses. Bon, ici ça a l'air encore d'être des grottes sans intérêt. Oh non, on revient dans un biome. Qu'est-ce que c'est ça? Le Witchwood. Ah, ça me dit quelque chose. Bon, je crois qu'on va se mettre entre les deux, vous savez quoi? On va se mettre dans cette plaine là, ça me paraît pas mal. Pas trop près du grand arbre parce que bon, hein, voilà. Bon, attendez, on va explorer un peu là-bas d'abord parce que bon, on n'a pas vu grand chose et c'est vrai que c'est bien de voir s'il y a d'autres choses et de pas se dire ah, oh, c'est bien, ça c'est bien, on va pas explorer d'autres trucs. Non, on va essayer d'avoir une idée générale de l'endroit. Mais ici, il m'a le biome qui est bizarre m'a l'air un peu plus loin donc ça va. Tiens, un bonbon. J'ai vu. Oh non. Ces chemins, enfin on va aller sur le côté, ça sera bien. En fait on revient vers le village mais non, c'est pas grave. Oh, de l'eau magique, tiens, ça c'est génial ça. D'ailleurs je vais tout de suite mettre un waypoint eau magique parce qu'on en aura rapidement besoin pour faire de la magie justement comme son nom l'indique.
Et j'ai pas envie d'aller en rechercher plus tard parce que c'est vrai que c'est assez. J'ai un trouvé, on a eu pas mal de chance là. Alors là, il y a encore ce bio. Bon, on sait quoi, on va essayer de le traverser. Et on va voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Clac. Hop, voilà. Oh là là, encore une carcasse de dinosaure, c'est incroyable. Donc on arrive près d'une forêt. Là on arrive près d'une forêt, on a l'air d'être assez loin de ce biome bizarre là qui est. Que sont les biomes champignons. Ça c'est un peu énervant, c'est la seule chose qui est bof avec ce modpack, c'est qu'il y a vraiment partout ces biomes là. Ces biomes champignons qui sont assez moches. Oula, je suis en train de charger pas mal de terrain, du coup ça rigne un petit peu. Tiens, une maison, on va voir ce que c'est. Ici, la Quarried Stone, je ne connais pas. D'accord. Du coup, je pense que ça pourrait être pas mal pour s'installer ici. On va juste faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas trop de biomes champignons alentour. Et par contre, ce qui m'intrigue vraiment. Oh, je crois qu'on a trouvé un deuxième village. Et en plus, c'est le jour, mais que demander de plus? Oh oui, oh génial. Ah, oulala. Petite maison buggée. Alors, je connais vraiment. Ah, tiens, c'est pas comme de l'eau, regardez, on peut marcher. Ah non. On peut marcher dedans. Ça donne un effet, non? Voyons voir. Du papier, du miroir. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un truc à l'étage par hasard? Ah, tiens, des photos. Je peux les prendre. Ah, si, je peux les prendre. Hop, c'est juste le lag. Ouah, wow, comment je tape quoi, j'ai une photo à la main. Ok. Oh, c'est stylé en vrai. Ici, il n'y a rien. Et voilà, et ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. C'est une forge de Tinker Construct. Ça va nous permettre de faire des outils vraiment améliorés. Donc, je vais quand même la prendre, hein, parce que on va pas cracher dessus. Je vais appeler forge. Bon, et bien les amis, en fait, il s'avère qu'il n'y avait pas grand chose d'autre, enfin, qu'il y avait quand même pas mal de trucs dans le village. Donc, je vais quand même vous montrer ce que j'ai récupéré, d'accord. Donc, j'ai mis deux boîtes en plus avec ça, et voilà, il reste ces choses-là que je vais poser. Hop. Voilà. Tac. Et voilà, c'est bon. Donc, il reste ces choses-là, et donc, ça fait pas énorme, mais bon, c'est bien quoi, pour. On n'a pas trop travaillé hein, pour deux choses gratuites. Alors, donc, par où on était allé? On est arrivé par là. Et donc du coup, faut juste voir par là s'il n'y a pas de biome champignon, pardon. Ici, il n'y a pas l'air d'en avoir de ce côté-là. Et de l'autre, il n'y a pas l'air d'en avoir non plus. Alors là, c'est vraiment parfait. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être s'installer au bord du lac. C'est pas trop mal. Bon, pour l'instant, on va laisser le stuff là où il est, là-bas. Et je pense qu'on va pouvoir s'installer par ici. C'est vraiment bien. Ah mais en fait il y en a partout, c'est magique, moi j'avais galéré à en trouver, mais en fait il y en a partout. Alors, donc, ici. Oh non. Oh non, pitié. Y a pas un moyen d'avoir une carte. Une carte détaillée. Je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas trop ce que c'est. Alors, est-ce qu'il y a pas un moyen d'avoir une carte? Ok, ça c'est du champignon, ça, et ça c'est du non-champignon. Ah bah, je pense qu'on va aller vers le non-champignon par là-bas. Mais attends, c'est quoi ce truc, je pense pas. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est? Oh, ça en dirait un seul pleureur. Bon, de toute façon, c'est ça, je sais pas ce que ça veut dire, Willow. Nous, au niveau d'anglais, je suis pas prêt de le savoir. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est que. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est totalement inattendu. Oh, j'ai eu... Poirier. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que ça? On va voir. Allez, on va pas tout casser non plus. Oh non, c'est encore un village. Oh, c'est quoi cette maison? Oh là là.
Bon, vous savez quoi, au pire, ce qu'on va faire, c'est que temporairement, on va s'installer dans la maison. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et voilà. Et donc je vous dis à tout de suite le temps que je pille un peu le village. Et voilà. Allez, à tout de suite. Je pense qu'on va s'installer dans le village, mais alors, petit problème, c'est que on est à côté d'un biome champignon. Bon, bah, on dirait, c'est pas trop grave non plus. Donc là-bas, derrière, c'est du biome normal. Et deuxième chose qui est pas mal, c'est qu'on a vraiment un grand champ qui est là dès le départ, donc bon, ça m'a l'air pas mal. Hein. Bon allez, je termine tout de suite. Les amis, je vous annonce qu'après avoir pillé 500 maisons de PNJ, on a de quoi se faire d'ailleurs. Donc on a tout ça, ça, tout ça. Et il se trouve que j'ai commencé à prendre la maison, d'accord. Donc c'est cette maison là. Elle est vraiment grande, mais bon, c'est pas définitif. C'est juste de quoi poser nos équipements avant qu'on ait tout. Vous voyez, c'est une grande maison. Donc c'est juste de quoi poser ce qu'on a besoin avant de pouvoir faire la vraie maison qui sera pas loin d'ici d'ailleurs. Bah, pas loin. Et en vrai, il y avait pas énormement de stuff à l'intérieur, de stuff intéressant. Il y avait juste beaucoup de nourriture. C'est déjà ça de gagner, on dirait. Donc je vais transporter tout le stuff. D'ailleurs, je sais pas trop où je vais mettre les coffres. Je vais peut-être mettre ça au-dessus, parce que vous voyez, c'est plusieurs chambres. Donc je vais peut-être mettre ça. Ouais, non, c'est galère si je sépare mes chambres. Je sais pas trop comment je vais faire. Hein. Oh, vous savez quoi, je vais peut-être mettre. Non, c'est compliqué. Bon, je vais voir comment je vais faire. C'est pas grave, je vous dirai comment je vais. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, j'ai fini de transporter tout le stuff à l'intérieur de la maison. Vous voyez, j'ai posé les 2-3 trucs, machin, genre de machine. J'ai mis finalement dans le second étage, j'ai tout mis là, le stuff. Et vu que si ça sera un épisode un petit peu chiant, ça en faisait vraiment rien. Donc je vais au moins faire la première chose qui va me servir. Enfin, ça va me servir peut-être dès maintenant, mais en tout cas qui va sûrement me servir. C'est créer le bouquin magique du principal mode magique de la série qui s'appelle Ars Magica. Et donc on a besoin d'un bouquin pour ces choses magiques, et donc on va aller à l'eau magique qu'on a mis. On va ramasser 2 blocs, pas ça, bon ça j'ai pas besoin ça. On va les mettre près de l'eau magique, là on va mettre le cadre, le livre, et voilà, nice. Et voilà, et donc là on a le livre de Ars Magica, donc du mode, et ou le petit lag, et voilà. Donc là ça s'appelle l'Arcane Compendium, et là on a tous les rites pour créer des sorts, parce que dans cette chose là on peut créer des sorts, créer nos propres sortilèges qui font nos propres effets machin. Vous voyez par exemple tout ça, c'est des choses, par exemple speed, des effets, des sorts qui font de la vitesse. Par exemple une boule qu'on envoie, on peut lui ajouter l'élément gravité pour qu'elle retombe. Je sais pas trop ce que c'est après, mais bon, vous voyez, donc après ça coûte pas si cher que ça, mais faut avoir les totems et les genres de choses pour le faire, quoi. Donc du coup on va revenir à la maison, hop, et on va poser ça rapidement dans les coffres avant qu'on le perde. Ici. Voilà. Bon bah c'était un épisode bien rempli, ça va, on a eu ce qu'il fallait à faire, et donc on a fait ce qu'il fallait faire, pardon. Et on a réussi à déplacer le stuff. On a trouvé notre maison. On a pillé 2-3 villages. Et voilà. Donc maintenant, là, pour le prochain épisode, on pourra vraiment commencer les choses sérieuses. Hein, parce que là, c'est vrai que c'était moins sérieux à part le livre. C'était pas officiel. Donc la prochaine fois, on va vraiment commencer les choses sérieuses. Et puis je pense, dans 2-3 épisodes, on verra. Pour commencer l'électricité, qui a un grand pas à faire. Parce que c'est vraiment tout nouveau dans Minecraft. C'est pas dans Minecraft de base. Et c'est que dans le mode électricité, mais c'est vraiment quelque chose de très 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 grand. Je sais pas si vous voulez voir, il y a 400 pages de mode, je suis sûr qu'il y en a déjà 200, voire 250 qui ont que des trucs d'électricité ou de redstone. Ouais, déjà là je trouve déjà de la redstone. Bon, au début il y en a pas trop. Bon, je vais arrêter parce que ça fait beaucoup lailler le jeu. Pourquoi tu t'es jeté toi? D'accord. Et voilà les amis, donc tiens, il me reste ça à poser aussi. Voilà, j'ai mis ça là-dedans pour économiser un peu de place. Alors là-dedans, hop, voilà, j'ai mis des arcs et des genres de choses comme ça pour m'aider à transporter les outils. Clac, 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 clac. Mais non, attendez, ça je vais garder sur moi. Tac, tac. Et la pelle aussi d'ailleurs.
Et donc, moi je vous dis salut les amis, c'était 1275 et à la prochaine. Allez, salut.